Comment une telle merveille peut-elle être en train de mourir? Un fléau ravage la terre, mais l'arbre de vie résiste. Pour combien de temps? La fin du nouveau monde approche. Les tribus sont toujours divisées. Elles ont besoin d'une personne assez forte pour les unir ou les achever. Cette histoire a débuté de la manière la plus insolite qui soit. Alors, attendez-vous à une fin stupéfiante. Bienvenue dans Biomutant. Encodez votre ADN. Définissez votre structure génétique. Choisissez une résistance génétique. Choisissez le style de fourrure. Choisissez votre couleur principale. Choisissez la couleur des détails. Sélectionnez une classe. Commando. Franc-tireur. Commando. Psionique. Saboteur. Psionique. Commando. Classe choisie. Commando. Ça fera l'affaire. Voici un individu au passé trouble, jeté contre son gré sous le feu des projecteurs d'une histoire qui a déjà commencé. Nous sommes déjà à une intersection. Choisir un chemin dans la vie. Ça se résume à prendre une décision ou arrêter de vivre. Toutefois, pour vous, ce n'est pas qu'une intersection. C'est aussi un choix, le reflet de votre qui, l'énergie primitive qui s'écoule dans tout ce qui nous entoure. Je me présente. Je suis ton côté obscur, ta voix intérieure plus précisément. Un écho de l'équilibre et des conséquences de tes actions au fil de ta quête. J'arrive pas à croire que tu préfères cette chose. Mais j'attendrai que tu changes d'avis. Cette chose? Je suis là, au cas où tu l'aurais oublié. Et permets-moi de te rappeler qu'on est deux moitiés du même tout. La seule différence, c'est que moi, je suis la meilleure moitié. Toi ? La meilleure moitié? Ma voix est plus juste et plus claire. Dans la lumière, on discerne mieux la meilleure fin. La meilleure fin, c'est celle dont on décide soi-même. Et on dirait qu'on va dans la bonne direction. La gauche n'est pas toujours une décision maladroite. Des histoires de morts et de cadavres abandonnés. Un rappel que nous sommes à la merci de la nature et la proie des uns et des autres. Vous souvenez-vous de la bête qui a brisé votre famille? Ou avez-vous choisi d'oublier? vous avez tourné le dos au monde et erré en solitaire pendant que le prédateur devenait plus fort. Feriez mieux de prendre vos jambes à votre cou. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit de mettre fin à cette histoire. Il valait mieux s'enfuir pour cette fois, mais ce n'est que partie remise. Espérons que vous serez à la hauteur le moment venu. Le prédateur n'est pas la seule menace. La faune et la flore ont commencé à muter quand la fin des temps a commencé. Et l'arbre de vie a commencé à dépérir. La mélasse est partout. Pour certains, cela signifie la mort. Mais d'autres se sont adaptés à ce nouvel environnement et ont changé avec lui. C'est la loi de l'évolution. Belle entaille! Faites attention! Vous êtes encore en vie. C'est plus qu'une égratignure. Taillé dans le vif. Vous êtes en souffrance. Tiens, une boîte d'urgence du temps d'avant. C'est plutôt rare. Ce tuyau a l'air fragile. Pourquoi ne pas essayer le pied de chiche ? Wow ! Il est temps de trouver un moyen de sortir d'ici. Sérieusement. Les morques produisent de la biomatière dans les multi-organes qu'ils perdent sous le stress. Ces blobs affectent les brins codants cellulaires de tout être vivant qui les absorbe, y compris vous. Collectionner les bleus ou bien... Mutation débloquée. Tirez, poussez. Toxanol a bâti des vaisseaux baptisés Arche, dans le but d'échapper à l'inéluctable fin du monde. Mais était-il trop tard? Grâce aux journaux de bord de l'unique Arche qui restait ici, nous savons que les autres sont partis pour les cieux et au-delà. Il semblerait que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais perdu espoir de trouver un nouvel endroit où vivre. On ne sait que peu de choses sur la suite d'événements qui a causé le grand cataclysme. Il y a des lustres de cela. Mais une chose est certaine. Personne ne s'attendait à ce que le comportement irresponsable de Toxanol ait un tel impact sur le monde. En arrachant à la Terre ses métaux rares et en bâtissant leurs industries nucléaires, ils produisaient des tonnes de déchets. Sans aucune considération pour les générations futures, ils jetèrent tout dans des décharges jusqu'à ce que la place vienne à manquer. C'est alors qu'ils commirent la grande erreur. Ils se mirent à jeter leurs déchets toxiques dans la saline, juste au large des côtes, espérant qu'ils couleraient et se décomposeraient avec le temps. Et ils ont vu juste. Mais le monde n'était pas prêt pour ce qui allait arriver ensuite. Une fois dans la saline, les radiations perturbèrent le code génétique de la faune et donnèrent lieu à d'étranges mutations chez les nouveau-nés. Les effets sur la biodiversité et l'écosystème tout entier furent dramatiques. L'ordre établi s'effondra sous les représailles de la nature. Rien ne serait plus jamais comme avant, et les ruines de ce monde devinrent le nôtre. Un bruit de fer à feu qui fait pan-pan, ce n'est jamais bon signe. Ça vient de derrière cette porte. Un avertissement. Cette boîte risque de vous faire frire le cerveau. Il va falloir réfléchir un peu pour court-circuiter la porte. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Et voilà le travail. Le type avec les roues est encerclé. Vous feriez bien de l'aider. Ne vous dispersez pas maintenant. Acier bien aiguisé. Allez, du balai! C'était le dernier ennemi. Allons voir celui avec les roues avant que les renforts arrivent. Vous n'avez pas suffisamment de ki énergie pour ça. Il vous remercie de l'avoir aidé contre les pillards. Sa voix semble familière, mais vous ne savez pas bien pourquoi. Il se présente sous le nom du fossile. Il me semble... Des rumeurs parlaient d'un Ronin-Borgne. La légende de l'Enfant-Borgne serait pu être n'importe qui, mais le mal... Pourquoi Lupin-Lupin vous a laissé la vie sauve après son attaque sur le village? Il avait forcément une idée derrière la tête. Il ne fait aucun doute que l'enfant, c'est vous. Et ce que Lupin-Lupin a fait à votre village, à votre moment, Epopsy, était le commencement de la fin. Il dit que vous avez mis du temps à ramener le passé jusqu'au présent et à retrouver votre chemin. Mais... c'est après... la menace imminente des mange-mondes abattant l'arbre de vie est si proche. Il s'inquiète également de la tribu Jagni, qui travaille activement pour purger le monde. Sans l'arbre de vie, personne n'aurait survécu. Demande si vous êtes en forme, car il y a encore de la marche depuis le village. Votre maman sait que vous êtes là? Vous êtes quelqu'un de bien, vous l'avez probablement. Il comprend pourquoi vous... Le peuple patate ou nono est une énigme, liée d'une façon ou d'une autre avec ce petit... Vous avez peut-être raison. Comme les patates, ils sont bourrés d'énergie. Une excellente source de ki. Les nonos préfèrent se cacher dans la brière-herbe. Il dit que vous devriez essayer d'en bouger un peu pour voir si un nono en sort. Vous en avez trouvé un. La ki énergie du nono est ce dont le pensée a besoin pour terminer son cycle et devenir un arbre de vie. Le petit arbre que vous avez vu à votre rencontre finira par devenir un arbre de vie qui commencera à nourrir la nature. Vous devrez soutenir l'arbre pendant très longtemps. Et la seule façon pour lui de devenir grand est d'absorber la charge de ki. Vous aurez besoin d'un filet pour attraper le nono. Il voudrait que vous utilisiez le sien, mais vous demande de faire attention. Les nonos sont des êtres sans... Vous maniez ce filet comme si vous en aviez toujours eu un. Il est impressionné. Il est reconnaissant de toute l'aide qu'il peut trouver. Il y a beaucoup de nonos qui auraient besoin d'être guidés jusqu'au racine. Il se... Mais... Maintenant... Un jour... Il dit que vous feriez mieux de vite retourner au village avant que votre maman ne vienne vous chercher. Vous avez fait du bon... Non, elle a beaucoup de choses en tête. Il ne savait plus où vous étiez pendant un moment, mais aucun souvenir n'est vraiment seul. Ils font partie d'une piste. Il se souvient de chaque jour qu'il a consacré à l'arbre de vie, mais à présent, il a peur que tout ça ait été vain. Les archives parlent de l'immense... Son ami Gizmo travaille sur un mecton et a besoin d'un coup de main pour terrasser le gigapouf, tout au bout de la racine ouest. Whiz n'a pas encore fini de réparer son octopode pour affronter le tortipouf qui vit loin sous la surface, tout au bout de la racine nord-ouest. Noko a apprivoisé le chioval et se prépare à affronter le lapipouf tout au bout de la racine est. Enfin, Glop a presque terminé son Glopski, une machine capable de fendre les vagues de la saline et d'atteindre le porc-qui-pouf tout au bout de la racine sud-est. Le fossile dit que ses amis s'équipent pour stopper les mange-mondes. Il y en a un au bout de chaque racine. Ça ne sera pas facile, mais il compte sur vous. Ses amis ne sont pas assez forts pour les arrêter seuls. Il pense que les mots ont du pouvoir. Il leur a donc donné des noms pour les affaiblir. Le porc-qui-pouf est un sujet particulièrement sensible. Quoi qu'il arrive... Vous commencez à vous y faire. La sortie la plus rapide est par le toit, là où ils sont entrés. La corde a l'air suffisamment solide pour y grimper. Sachez que l'arbre de vie se meurt, que ses jours sont comptés. Sans assistance, il ne survivra pas au changement environnemental ni aux attaques des mange-mondes. Un panneau indicateur. Ça aide ceux qui sont nuls en orientation à se repérer. Voyons voir. Voilà sans doute le mange-monde qui a dévoré la patte du fossile. Vous allez devoir trouver un sacré stratagème pour terrasser cette bête. Au fil du temps, les mange-mondes ont laissé leur marque sur notre monde. Ce n'est pas le premier village qu'ils dévastent, ni le dernier.